Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi annoncé vendredi 26 avril 2024. Bienvenue dans la dernière édition Journal Créole nous a présenté par Zamir Jerry Cherestal en collaboration avec VOA Créole depuis Washington DC. Pour cap dominer l'actualité, le nouveliste. Puis gros quotidien PIA, c'est nouveau bâtiment l'État qui nèg examen rivé pillé vandalisé. L'autre point qui a dominé actualité à concernant pays d'Haïti, États-Unis voyé équipement militaire by force l'audio dans pays d'Haïti pour capable bataille lité contre activité gang yo dans pays d'Haïti. Manifestation, toujours à contre manifestation étudiant en faveur Palestine, a continué à l'université des États-Unis et sous continent européen. C'est pour ça yo avec divers plots, nous va gagner pour nous développer pour vous. Je dis à notre journal ça, restez connecté avec nous, yon façon pour bien informer. L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal SILA. Le nouvel liste yon pigwo et pigwo quotidien qui gagne nan pays d'Haïti nèg exam débarqué la donne après que yote fin déposé sous presse nationale semaine qui s'est passé a et bien fois ça nèg yo rivé nan le nouvel liste li même qui tout moun rivé pour te couler pour comment que yo capable informer de tout ça qui a passé tant ou nan pays d'Haïti ak plusieurs autres pays yo nan tout continent. Eh bien, nèg yo entré après installation conseil présidentiel là, ces nouveaux bâtiments ça, yo rivé choisi pour que eux-mêmes yo capable bien piller, vandaliser et prendre tout ça qui gagnait en dedans. Eh bien, après Zaksa, eh bien, capable rappeler tout, eh bien, nouveliste Lichita Kol nan rue du centre tout près pénitentiaire national, yo piller, yo prend tout ça qui est important pour eux-mêmes alors que gen en pile document qui en bas que moun qui responsable yo même yo a cherché jusqu'à présent pas capable jeune yo comme quoi que nèg yo même yo ta aller ensemble avec tout gros document tout ça qui est important en dedans le nouvel instant responsable yo rive faire connait jusqu'à présent dans moment on a parlé là yo beaucoup capable fonctionner gens que yo même yo ta rive fonctionner mais entre-temps yo a fonctionné en ligne jusqu'à ce que yo capable rive reprendre cap koyo pour capable fonctionner gens que doit fonctionner normalement. De l'autre côté, gagné pays États-Unis amis internautes lui-même qui voyait gagné plusieurs avions militaires qui débarquaient dans pays d'Haïti avec un latrier équipement militaire pour que capable porter pour force l'audio dans pays d'Haïti qui c'est la police nationale d'Haïti malgré nous connaît l'armée la les États-Unis t'a parlé de lui-même mais jusqu'à présent pas aucune information qui t'a fait croire que c'est pour l'armée et l'armée a participé non actinant équipement militaire ça yo mais jusqu'à présent c'est pour la police nationale d'Haïti que équipement ça qui eux même yo entré et nèg examen yo même qui pas décidé camper yo continuer à vandaliser touiller et piller et c'est la raison pour laquelle gagné et département d'état américain yo fait tout ça qui dépend de yo capable fouiller tout matériel qui nécessaire en façon pour que la police même ni capable gommer ensemble avec et même bataille contre force illégale yo qui décidait mettre tout danger dans tout monde qui trouvait dans population haïtienne. Gagné après installation conseil présidentiel là, gagné président Kenya William Ruto lui-même qui saluait gros effort ça qui fait il déclarait sous compte lui qui gagné l'armée Kenya soldat Kenya yo tout yo prêt yo disponible et disposé pour que au même yo capable et bien déployer dans pays d'Haïti ensemble avec tout l'autre pays qui était décidé pour que capable entrer dans pays d'Haïti force l'autre la Kenya lui-même li a mené côté qu'il pral dans tête tout ça pour qu'il capable rentrer et bien président Ruto lui-même bon côté parle li fait connecter tout bagay censé prêt et disponible li prêt pour qu'il capable débarquer ensemble avec équipe Kenya pour capable venir mettre l'autre dans les ordres dans pays d'Haïti dans ça qui gain avec question insécurité.
De l'autre côté, gagné un investiture hier, côté que gagné deux gros invités qui étaient gagnés, c'était Youri La Tortue, ancien sénateur, et l'autre président de chambre sénat qui c'est Joseph Lambert, deux citoyens Sayo qui étaient arrivés joindre invitation yo dans grande cérémonie ça qui c'est installation conseil présidentiel là, et bien yo même qui étaient trouvé yo en bas sanction États-Unis ensemble avec Canada comme monde qui t'a trouvé yo dans ce que qui t'a trouvé yo non question drogue et avait ça gain ah ouais avec corruption tout. Et bien hier c'était en pile gros tête chargée gros palais en pile qui t'a gagné comme quoi que deux anciens parlementaires yo yo pas de droit invité yo comme monde qui participait dans divers actes malhonnêtes et surtout avec Youri La Tortue lui-même qui trouvait lui dans la Tibonite qui simayait zam en dedans ça qui mettait une insécurité totale et d'après toute dernière information et rapport qui était sorti par Buni madame Isabelle beaucoup de parle équatorienne t'arrivé fait qu'on est c'est à une monde nous pas en parlant de Youri La Tortue qui t'a simayé plus zam dans département la Tibonite là qui permet que insécurité a livine déraillé dans la Tibonite. De l'autre côté, madame, mademoiselle et monsieur gagné un secrétaire d'État américain lui-même Anthony Blinken lui-même qui était décidé font river et lui-même qui était décidé pour que lui-même li capable river madame mademoiselle dit monsieur dans pays chinois qui Anthony Blinken secrétaire d'État américain lui-même qui était visité jeudi vendredi 26 avril 2024 là dirigeant chinois yo et surtout président lui-même qui c'est Xi Jinping président lui-même qui était rencontré ensemble avec secrétaire da gagné deux pays en parlant de États-Unis ensemble avec Chinois, et bien gagné pour le secrétaire général là lui-même, il déclaré de Xi Jinping que deux pays ou même ces deux partenaires qui ont été États-Unis ensemble avec la Chine, même lorsque pas gagné rival, même si de nombreux problèmes n'y existaient, mais tout même deux pays ou mettre tête ensemble pour que eux même yo capable aller vers l'avant, pour que capable travailler constamment. Entre temps, qui te me dit, conseil présidentiel là, lui-même, qui commençait à travailler depuis hier, eh bien, en pile monde déjà fait qu'on est amis internautes, il y a un conseil ça seulement 100 jours, il y a un monde qui bal 60 jours, et il y a un monde qui bal 30 jours, pour que eux-mêmes yo capable commencer travail et mettre sécurité dans le pays sinon et bien on va commencer reler Charles Barry d'ailleurs pour que lui-même li capable racher Mayocli baité à blanche coton de façon pour que yon l'autre équipe capable remplacer le pour que capable gain sécurité dans le pays d'Haïti. Voilà, amis internautes, nous comptons pour nous te présenter au journal jeudi. Restez connectés avec nous pendant ce temps nous-mêmes. Nous avons quitté ensemble avec VOA Creole, avec ses confrères en New York, depuis Washington DC, pour plus de détails et plus d'informations. Chinois Xi Jinping dans GFR pour encourager, suspendre, supporter la Russie. Les manifestations étudiants en faveur Palestine a continué dans l'université américaine à ce continent européen. Et puis, dans le pays d'Haïti, États-Unis voient équipement militaire by force de l'audio pour aider à combattre l'activité gang armée. Oui, c'est quelques points qui ont dominé l'actualité. Maintenant, comment ça l'actualité? Il y a une nouvelle concernée, non seulement les États-Unis, mais concernée tout. Et Moyen-Orient, n'a pas dit que la police entre dans laisser frapper jeudi soir avec les manifestants qui en faveur palestinien dans l'université État Ohio avec l'université Emory dans Atlanta, Georgie. Pendant la manifestation, a continué dans l'université dans tout pays à contre support États-Unis à bail Israël dans la guerre à mener contre Hamas ou bien groupe militant Hamas qui dans territoire Gaza et des manifestations tout dans New York côté responsable université Columbia semblait vouloir chercher joindre une entente avec manifestants Serge François Michel. Université Columbia rallie back sur délai il était fixé hier jeudi en cours de débat manifestant en faveur palestinien la nuit hier soir pour abandonner camp sous campus là pendant plus université dans États-Unis cherché empêcher manifestants continuer à occuper campus
La police te fait un paquet d'arrestations à l'université dans tout le pays. Parfois, ils te servent à gaz chimique et à taser pour disperser manifestations contre la guerre Israël à Hamas. Là. Bureau président de l'université Columbia, qui est basé dans New York, Minouche Shafik, publié en communiqué à 11h07 hier soir. Côté l'été où était délai minuit pour manifestants, yo défait yon gros coquin camp qui gagne à peu près 200 étudiants. Jita causé yo montré gain progrès et a continué j'en planifié yo. Nos gain exigence pas, nous yo gain pas yo. C'est sa déclaration a dit. Li démenti que l'université a tiré la police ville New York sous campus là. Yon étudiant qui identifié d'être li comme Mimi dit agence France Presse li nan camp depuis 7 jours. Li dit yo rele nou terroristes, yo di nou violents, mais seuls outils nou gen vraiment c'est voix nous. Étudiant manifestant a dit a exprimé solidarité avec Palestiniens dans Gaza côté bilan moun ki mouri dépassé 34305 d'après ministère santé que Hamas dirigé. Plus passé 200 manifestants qui ont protesté contre la guerre, des jeunes arrestations au mercredi à Bonnet jeudi matin, dans l'université dans Los Angeles, Boston et Austin dans l'État Texas. Côté 2000 manifestants, t'es rassemblé encore hier jeudi, débattement de la police dans la ville Atlanta, dans l'État Georgie, dit agent police qui te répondent demande l'école là, t'es joué avec violence et t'es servi à gaz chimique pour irriter manifestants yo, comme réponse. Serge-François Michel, VOA Creole. Sous continent asiatique là, et bien secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré président chinois Xi Jinping dans ville Pékin côté li encouragé pour lui suspendre supporter la Russie qui a mené une guerre en Ukraine. Les chefs diplomatiques américains qui étaient visités Shanghai jeudi 25 avril là, et bien, ils n'ont pas voulu répondre à une question journaliste comme quoi, et qui étaient posé la question comme quoi, États-Unis, si États-Unis étaient capables d'imposer sanctions contre et la Chine pour support la baille et là aussi, dans l'autre point qui a dominé l'actualité, on a dit que le jury captant des procès. Et Donald Trump là dans New York, eh bien, ils ont rentré la caille aujourd'hui, après, ils ont fini d'entendre, ils ont témoin important dans le processus là, eh bien, juste, ils ont fini d'entendre des dépositions, entendre qui ça qui passe exactement dans la déposition et jugement, ou bien dans la déposition témoin ça, idée que vous avez fait jeudi encore dans New York. Ancien éditeur magazine National Inquirer, David Pecker, répond plus questions sur Jeffrey Lité fait pour bloquer tout article négatif sur Donald Trump pendant l'élection 2016. Procès sous coup de l'argent pour fermer bouche actrice pornographique Stormy Daniel pour cacher relation amoureuse Lité gagné avec candidat parti républicain Donald Trump, te continue jeudi vendredi. Avocat M. Tompio a cherché à démontrer pratique magazine n'a gagné pour l'acheter histoire qui défavorable avec célébrité qui a déjà existé avant même Donald Trump était candidat pour président des États-Unis. M. Pecker, qui a dirigé magazine dans sorti 1999 pour arriver en 2020, déclaré qu'il était fait un arrangement avec Donald Trump ensemble avocat Lee Michael Cohen en août 2015 dans Trump Tower dans Manhattan pour bloquer et disparaître toute histoire qu'il fit à raconter sur Donald Trump et puis informer avocat Michael Cohen qui lui-même d'accord pour aider Pecker joindre histoire négative contre opposant M. Trump pendant la campagne là. Il entend lui dire qu'il n'est bon ni pour Donald Trump ni pour lui-même. Pecker a déjà témoigné qu'il était contre le travail pour Donald Trump pour bloquer tout article qui est capable d'affecter la réputation homme d'affaires avant de tourner un politicien. Pecker a déclaré qu'il était saisi et puis éliminé deux articles dans son sens et puis alerté Donald Trump, vedette film pornographique Stormy Daniel, qui a cherché dans le magazine une histoire comme quoi il était gagné une relation sexuelle avec le candidat parti républicain. Je veux commencer par wishing my wife Melania. Jusqu'avant, ancien président est rentré dans le tribunal à Bonnet vendredi 26 avril, il était déclaré par les journalistes qu'il n'était pas capable d'attendre pour journée infinie, pour aller en Floride, pour capable célébrer l'anniversaire de Madame Lee, Melania Trump. De ce sens, il est pour le fini. C'est un jugement sans fondement. Moi, je crois nous avons un juge qui ne peut pas permettre le dossier à fini. Je dis, c'est une autre journée dans le tribunal là qui fait fret en pile. Commissaire New York là accusé ancien président que il était falsifié document business li gen dans New York pour le cacher $130,000 il était payé Stormy Daniels et puis faire passer comme frère honoraire pour avocat Michael Cohen.
Ancien président, ou ses paroles comme quoi il était gain, relations sexuelles avec des films pornographiques, Stormy Daniel. Joël Philippe, Vera Creole, Washington. Émission ça là ou à regarder là ou bien attendre là, il sorti directement dans la capitale fédérale américaine dans Washington DC. Nous pour aller dans New York côté situation humanitaire en Haïti vient pi mal d'après directeur exécutif adjoint programme alimentaire mondial là Carl Scow qui lui-même sort fait une visite en Haïti dernièrement là Valérie Saint-Louis. Directeur exécutif adjoint programme alimentaire mondial là Carl Scow dans une conférence pour la presse que l'était bail dans quartier général Nations Unies à Manhattan New York t'a dit que après une visite que l'était fait en Haïti dernièrement que pays d'Haïti a fait expérience une situation humanitaire qui pi mal depuis tremblement de terre 2010 là. Carl Scow t'a dit que situation en Haïti a dramatique parce que moitié population environ 5 millions moun en bas une gros insécurité alimentaire. Officiel programme alimentaire mondial là insisté pour le dire political and security support really need to be matched by si pour politique ak sécurité réellement besoin matcher ak une réponse humanitaire solide deux bagages ça yo pas capable exclusif faut que marcher ensemble et puis pas ka gen succès politique sauf si nous tout profiter mettre camper bon gens aide ak assistance by peuple là et moi penser que ça moi était souterrain en Haïti c'est que ça capable fait dans mitan crise là là dans Port-au-Prince mais nous besoin tout pour nous faire plus résistance et encourager développement yo yon l'autre côté pour vraiment essayer écraser sec vicieux ça. Pendant que Pifozak violence yon concentré dans la capitale là, Carl Scow, directeur exécutif adjoint programme alimentaire mondial là, t'a dit there is displacement, there is disruption in the trade and the economy. Gen moun ki en déplacement, gen désordre dans commerce là ak économie et gen inflation. C'est comme ça crise là envahit tout côté. Mais réponse pas nous capable différencier. Ça nous besoin c'est une réponse en urgence dans Port-au-Prince, mais nous ka toujours continuer bay l'autre qualité support et faire développement dans reste pays là. Les une journalistes ont demandé directeur exécutif adjoint est-ce que programme alimentaire mondial a gain assez provision alimentaire pour aider moun en Haïti. Il te répond pour dire que gain assez provision pour 6 semaines qu'a venir là. We have supplies for the next 6 weeks. Pendant visite en Haïti, Carl Scow ensemble avec directeur régional là, Lola Castro, avec directeur général organisation Jean-Marie Bauer, t'ai visité un programme assistance programme alimentaire mondial là qui impliquait dragage canal yo. Yo te fait discussion parler à cultivateur yo, partenaire local yo ak membre communauté yo ki kounye a travail sou activité plantation yo. Programme alimentaire mondial la te rétabli environ 2 hectares terre agricole à travers réhabilitation ak construction canal ki gen la donne si pour po infrastructure de l'eau ka permettre production manger yo fait pour première fois dans communauté ça. Délégation te visité tout yon coopérative cultivateur qui relè coopérative agricole et caféier Gabar Le Vaillant de Dondon Kagava. Programme alimentaire mondial là a collaboré à coopérative Kagava dans propre programme bay manger dans l'école dans zone nan. Depuis janvier 2023, 62 l'école qui totalisait plus passé 17 000 élèves recevoir produits alimentaires dans men Kagava dans 4 communes dans département Noa. Depuis commencement année l'école là plus passé 100 tonnes métriques céréales avec produits qui frais sorti dans coopérative là. Transition dans programme bay manger dans l'école dans département Noa a accéléré pendant prochaine année l'école là avec une lot 15 000 ti moun que programme là pour le couvrir et c'est coopérative Kagava qui a absorbé programme ça. Délégation te visité tout moun qui obligé déplacer yo qui vivent ak famille qui bayo accueil ak la descente la caillou et puis te fait un petit parler ensemble avec yo en groupe de discussion. Dans nos pays yo bay famille qui ciblé yo une ration alimentaire par famille pour 30 jours. Yo premier 50 familles soit 250 moun déjà joine assistance et programme alimentaire mondial là déjà planifié pour aider une autre 1363 kay dans fin mois avril là dans municipalité ville au cap quartier Morin ak Limonade pour VOA Creole Valerio Saint-Louis New York. Toujours dans le pays d'Haïti, nouvelle concernant conseil présidentiel là mais nouvelle ça continue après installation et 9 membres nous avons gain 7 membres qui gain droit de vote gain 2 qui pas gain droit de vote. Mais tout qu'on y a question qu'a posé qu'on y a c'est effort que conseil a fait qu'on y a pris élu un coordonnateur ou bien un président parmi eux jusqu'à ce que nous arrivions là nous avons pas rapporté que groupe là était déjà jeune une parmi eux
qui pour diriger et groupe ça pendant et moi ou bien encore pendant année qui venir là. J'ai l'impression tout qu'a fait tout parce que d'après feuille de route que organisation gagne ou bien que agence gagne en amené et bien il gagne tout pour le mettre sous pied tout pour joindre un nouveau premier ministre qui pour remplacer actuel premier ministre là et qui lui-même que même là il y a titre provisoire et bien en époque on dit jusqu'à présent sous dossier ça et puis il y a monde qui a fait suggestion pour dire qui travaille qui a besoin pour que le groupe l'a fait et une dans eux c'est question sécurité et c'est comme ça que les États-Unis et bien il y a deux avions américains qui descendent en Haïti hier ont atterri dans l'aéroport international Toussaint Louverture côté de porter équipement pour PNH là ensemble avec l'autre produit pour la nécessité surtout produit sanitaire pour autorité la santé yo Yves Manuel. Police nationale d'Haïtien recevoir jeudi 25 avril là dans l'aéroport international Toussaint Louverture yon don matériel département d'état dans pays les États-Unis. Selon la police, matériel ça visé renforcer capacité opérationnelle institution dans l'idée pour continuer bataille contre grand banditisme sous toute forme à travers tout pays. Mardi, n'a pas rappelé qui s'est passé là, bon premier avion cargo militaire américain qui était porté équipement pour force l'audio. Hier jeudi, il y a deux autres avions militaires qui portaient équipement chef la police a recevoir dans l'aéroport international Toussaint Louverture. N'a précisé responsable dans institution la police là pas bail aucun détail sur qualité matériel ça yo. PNH là dans dernier moment ça yo montré yo déterminé dans quatre batailles pour croper bandi armé yo qui pas suspend si men la pérèse dans divers quartiers dans Port-au-Prince. En attendant arrivée force multinationale là, citoyen yo pensé li igen pour conseil présidentiel transition qui fait entrer en fonction défini voie ak moyen pour résoudre le problème insécurité dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et concernant la force multinationale, on a dit que Kenya a déjà annoncé, le président Kenya même, M. Ruto, et bien, il a annoncé que le pays de Paris pour le prendre tête et mission ça, qui vient pour aider la police nationale à combattre l'activité gang armée dans le pays. Nous avons pris des toujours dans le pays d'Haïti concernant et, l'idée pour qu'on ait, est-ce que. Et pour voir bien encore conseil transition eh bien gagner réaction qui sorti c'est comme ça supporter ancien leader rebelle Guy Philippe en bien rencontrer la presse pour exprimer opposition avec conseil présidentiel transition Mathieu de Villemé. Faut que nous dit installation ça va faire ni chaud ni frais. 24 heures de temps après installation conseil présidentiel transition Réveil national pour souveraineté Haïti yo parti politique allié ancien sénateur Eli Grand Ancien Guy Philippe fait qu'on est au campé en face conseil présidentiel là. C'est coordonnateur strict ici là, Jean-Tel Joseph, qui fait déclaration. Son combat nous est engagé contre un système. Bataille contre un système n'est pas facile. Mais heureusement pour nous, et nous battons bravo pour ça, tout élément système nous a rassemblé aujourd'hui en dedans un couleuvre qui a sept tête à décon. Nous tous constatons que décon, décon, CARICOM non et camp nationaliste qui nous-mêmes a exigé une solution nationale à problème national pays. Nous venons dire réveil national pour souveraineté pays a prend tête opposition. Nous venons dire population pour nous camper gourmet autour de réveil pour nous faire triompher révolution. Et les jours de la triomphe de la révolution, dès qu'on y a braché, cette tête a coupé. Soubopa Mekaleb Jean-Baptiste, avocat Barreau Ake, dit qu'il a cité devant tribunal correctionnel, même conseil présidentiel là pour usurpation de titre. Monsieur dames, ça, vous pas respecté la loi, vous pas respecté la constitution, vous fait tête au passé. Dans des conseillers présidentiels, constitution 1987 là, pas jamais prévoit bagaille ça. Et nous avons commencé à agir au nom de l'État haïtien, nous allons dire. L'obagé qualité selon la constitution ou pas gagner pour engager l'État et nous allons attaquer pour l'usurpation de titre de fonction. Pour l'autre ministre qui était là pour les ministres, qui parle
ont publié dans le journal pays, les moniteurs. Ils ont chalabia. Entendez, ils ont été arrêtés. Conseil des ministres, qui a créé le décret au tellement par contre ça a dit, nous parlons tout. Ou même, nous prenons porter plainte pour le cabinet de destruction, 118. Et nous disons dans le bagaille, est-ce que nous avons tout le monde qui signe, qui voit dans le bagaille ça, tout parti politique ça, nous prenons demander des juges pour interdire pour y aller dans l'élection et tout le monde qui représente le parti politique ça, pour juger là, interdire parce que c'est des complices. Citoyens et citoyennes qui s'allient installation Conseil présidentiel transition, dit yo pa katan pour gagner aller mieux dans la société. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Et yon nan secteur qui a demandé aller mieux, c'est yon leader religion vaudou. Et en Haïti, on a parlé de Augustin Saint-Claude qui lui a demandé nouveau dirigeant. Donc, Conseil présidentiel transition pour yon agir vite en façon pour garantir la sécurité citoyen ou dans tout ça. Augustin Saint-Cloud, qui a pu fonctionner à titre roi vaudou en Haïti, qui saluait l'installation de 9 membres conseil présidentiel transition, ouais, première action pour nouveaux dirigeants, ça y est, poser, c'est résoudre problème, insécurité. Plutôt faire 10 jours, grand goût, qu'est au content ou à l'aise, si vous m'en avez sorti là, le baguette est cassé, le baguette peur. C'est ça, ça c'est première chose, c'est premier bagaille, qui apprend tout le monde. Pour comprendre, champ de masque réouvri, tout côté réouvri, passage tout côté, et bien ça, Haïti décollé. Dans l'union fait la force là, la tête ensemble là, là, il y a besoin de Haïti tout décollé. Résoudre problème insécurité, hein? Révision constitutionnelle là, avec organisation élection générale pour renouveler personnel politique là, c'est quelque parmi plusieurs défis que le pays a dû élever. Mais heureusement, Jean, qui c'est responsable Front National Organisation pour yon Haïti stable et démocratique, dit pas quoi nan nouvelle équipe ça. Yo pas vin pour faire élection. Na premier côté pour empêcher appliquer gen politique de génocide à la manière de Rwanda. Yo tellement banalisé nous, yo utiliser la CARICOM. Si CARICOM pas prendre, yo t'a prendre rien. Mais tout ça li rentre dans projet, dans dynamique comment permettre yo mettre pays ça à genoux et puis pour vin voler tout ça là dedans. Pendant ce temps, situation sociopolitique ak économique là a vinn pi dégradé surtout ak yon raté kabiran qui enregistré depuis quelques jours sur marché national là ou nan tout ça ou VOA Créole Port-au-Prince. Ancien sénateur brésilien n'a parlé de Romário qui gagne 58 l'année en ancien gloire football brésilien nan année 87 à jusqu'à 2005. Eh bien mes amis, monsieur a annoncé que la pour retourner sous terre encore, c'est-à-dire qu'il a dit mes amis 58 ans. La prétention c'était encore pour venir jouer les ballons avec petit garçon qui est Romarinho. On va dire gentil Augustin. Cap principe pour nous sur dossier ci là. Romario, attaquant brésilien qui t'est prend retraite li, recommencer entraîner pour retourner après l'été fin inscrit comme joueur dans équipe deuxième division état Rio de Janeiro, America RG à 58 ans. Lycée actuel président club ça. Et li paré pour retourner dans espoir 15 l'année après l'été suspend jouer. Big objectif moi ici là, c'est joindre opportunité pour jouer avec petit garçon. Moi t'étendé, moi t'éliqué non seulement dans football mais en pile athlète gain objectif ça. Ancien gloire équipe Brésil là qui t'est prend retraite li dans l'année 2008 et qui t'est vinn directeur et sportif America RG dans l'année 2009, t'est joué deux coupes du monde pour Brésil, li t'est marqué 5 goals pour aider équipe la remporter la victoire dans l'année 1994. Petit garçon li Romarinho jouait tout pour America RG. Il était entraîné ensemble avec papa à hier jeudi 25 avril 2024 là. Moi voulais faire tout le monde comprendre que moi pas jouer dans championnat. L'idée c'est jouer quelques minutes dans quelques matchs parce que bagay qui pi important pour America RG dans compétition ça, c'est situation technique là et pour ça nous doué entrer avec plus force. Comme moi toujours dit, li met difficile. Nous doué champion deuxième division 1 pour nous ka al jouer dans pi haut niveau dans championnat Rio de Janeiro. Après Romario te fin prend retraite li nan football, li te vinyon sénateur nan pays Brésil et puis
li te dirige investigation Congrès ya sou corruption ki genye nan football brésilien ya. Gen moun kap pose question pou konnen est-ce que retour li nan football la pa pral empêcher le travail comme sénateur. Ki non va m'atrapaler nada si jouer pa empêcher nan aucun façon. Travail moi nan sénat, c'est yon travail moi ap fè depuis 13 l'année. Nous même qui vraiment konnen, nous qui vraiment suivent moi, ça c'est travail sérieux. Travail qui dédié à cause qui important en pile dans la vie moun. Fédération Football Rio de Janeiro a confirmé inscription Romario comme joueur. Li ajouté que li pral recevoir un salaire minimum qui pral pour club là. Romario te joué plus passé 70 matchs pour pays sorti 1987 pour arriver 2005. Et li te fait 56 goals. Li te joué 4 fois avec Vasco da Gama et li te joué tout pour Flamengo ak Fluminense dans pays Brésil. Li te joué pour Barcelone ak Valence dans pays l'Espagne et puis PSV Eindhoven dans pays la Hollande. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Je ne pas oublier, jeudi à ce week-end, jeudi à ce vendredi, donc week-end n'a pratiquement pour certains mondes il déjà commencé et pour l'autre il pral commencer surtout pour nous mêmes qui va boire ici là mais tout n'a du tout prend plus précaution tout parce que nous remercions pendant qu'on passe toute semaine là avec nous et nous espérons qu'on pourra retourner venir nous encore lundi qui vient là n'a pas encourage tout pendant qu'on en vacances ou pendant qu'on en week-end pas oublier visiter et toute plateforme nous pour qu'on ait dernier point qui censé à dominer actualité a, et alors le vendredi jeudi à ce jour peut-être nous content de Serge Rodriguez mais monsieur empêché il va là jeudi à et nous ta comprendre qui est ce qui remplace jeudi à et bien c'est chef service là mes amis Sandra Le Maire. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sandra Le Maire et c'est moi-même qui a fait nouvelle sous vedette show jeudi à. On a commencé dans New York. Magazine américain Time célébrait groupe 100 moun qui gagne plus influence pour année 2024 là 25 avril dans New York. Sous liste là, nous jouons une chanteuse Dua Lipa, quarterback football Patrick Mahomes et puis actrice Taraji P. Henson. That I'm doing something right. Il dit m'a travaillé bien, m'a respecté pour mes moi t'ai fait bon Dieu pour me servir à cadeau, il était ben moi pour me changer monde là. M'a travaillé bien. Liste Time 100 pour année 2024 là, gain 51 femmes là-dedans. Parmi eux, metteuse en scène Sofia Coppola et puis chanteuse Kylie Minogue avec Fantasia Barrino. Est-ce que Kylie Minogue sentit l'issue une icône? C'est so difficile pour me répondre. Je ne connais ainsi aucun monde sans dire comme ça. Mais c'était une année iconique pour moi, donc je accepté ce titre avec un pile remerciement. Acteur et cinéaste Dev Patel t'est enchanté. C'est vraiment une belle bagaille. Bon ami moi, Daniel Kaluuya écrit un bel message que nous voyons pas moi. Pas connait ça t'a pas écrit, il pas dit rien et puis nous t'a voyagé. Nous pas parlé récemment et puis moi li belle parole ça yo que le monde que moi vraiment admiré en pile écrit pour moi. Donc c'était un bagaille accablant. Liz Timela, gain leader mondial et politicien tant que directeur agence renseignement central États-Unis CIA William Burns avec gouverneur état Texas Greg Abbott et puis Liz la gagné champion course auto mondial Formule 1 Max Verstappen, joueuse basketball Aja Wilson et puis icône mode et art visuel Jenny Holzer avec Tory Burch. Mais ça Burch dit sous accomplissement. Well, listen, if I can be a bit of a role model for women entrepreneurs, I'm capable to inspire m'ap content. Investir en femme, c'est meilleur investissement au ta ka jamais espéré faire. Et si nous fait ça, ça pourra changer société et puis changer économie. Femme incroyable. Nous pourrons passer prendre Jules de Ronsre Kounia dans Miami.
C'est samedi qui s'est passé là que groupe musical Mood Music Band qui gagne en tête li maestro chanteur compositeur Sanders Solon fait grande première li dans Miami. Nous avons constaté présence artiste invité Carlo Vieux de Karimi avec artiste solo Fatima Altieri qui était partagé podium nan ak Sanders. Après performance li, nous demandé artiste là qui raison qui fait lire le jazz là Mood. Donc parce que mood signifie énergie, il signifie positivité and you know we chose that parce que we want to garder mood là je dis là quand tout le monde content you know so that's the reason. N'a fait songer que Sanders Solon c'était ancien musicien fondateur groupe musical Harmonique. Nous demandé artiste là est-ce que le possible pour Melo Magno capable vivre une soirée Harmonique Mood avant longtemps. Nous pas grand rien contre personne monde, pas grand animosité pas grand, c'est musique n'a fait, la vie continue. Bon grâce à Dieu tout le monde vivant, tout le monde qui travaille. Why not, you know? I'm ready. Let's go. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Deli François, chanteur groupe musical System Band, annoncé dans micro VOA Créole que désormais, il c'est maestro System Band dans l'État Floride. Faut me dire ça. Lucien Serrin empêché, il y a un petit problème santé. Madame Jeanne Doubi Madame Maestro Doubi, qui c'est ma manager jazz là, yo fait nous même comme maestro. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Onske pour VOA Créole, Miami. Well, m'a dit nous tous, Sandra, c'est pas seulement nouvelle souveraineté, nous avons parlé, je savais qu'on courait tout, nous avons participé dans, je quand même compter quelle quantité de marathon que Sandra a participé déjà. Marathon, il n'y a pas 5 km, non? Bah, semi-marathon, marathon full, et il est toujours fini comme cela. Alors, il n'est pas fini premier, mais il est toujours fini comme cela, quand même, contrairement à tous les participants. Donc, j'aime te dire, non, je dis à mes amis, c'est vendredi, c'est week-end, et bien, nous connaissons que via Daja, ça m'a habitué de dire, non, chaque vendredi, et bien, si nous avons dit jeudi à mes amis, pas consommer alcool, VO a besoin, non? Et si nous consommons alcool, pas monter son bas volant. Et même si on passager, pas chita des volants en machine, à tout le monde qui finit de consommer l'alcool. Nous souhaitons pour passer un bon week-end. La première, c'est Gentil Augustin Junior, ensemble avec Jean-Marc Ebéabella, qui était aidé de mettre l'émission ça sous pied pour le carabin de nos gens. Voilà. Et puis nous remercions tous nos collègues de New York, Sandra Lemaire, ensemble avec tous les correspondants dans le pays d'Haïti. Bon week-end tout le monde.